Là, on va envoyer une séance dos, épaules. Si on a un peu de temps, biceps aussi. On va faire ça bien. On va se faire mal. C'est important. Et je vais essayer d'envoyer un maximum là, vraiment. Faire les choses bien. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Là aujourd'hui j'ai pas pris de Clairway, j'ai pas pris de pré-workout parce que je suis parti un peu tard, j'étais un peu pressé, donc j'ai acheté un sandwich triangle avec un Monster. Donc mon pré-workout c'est ça, hein. Monster Energy et ma dose de protéines, bah, c'est le sandwich triangle que j'ai mangé, tu vois. Mais normalement ça va le faire, ça va le faire. J'ai un peu d'eau là parce que l'eau c'est indispensable pour faire une bonne séance. Et puis voilà, on va envoyer. On va faire ça bien. Échauffement vélo. 5-10 minutes. Histoire de mettre un peu mon corps en action là. Bouger un peu mon corps. Parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. Donc, je me chauffe bien et on y va. Aujourd'hui, le thème, c'est de faire les choses bien. C'est d'envoyer. C'est de se faire mal. C'est de faire une bonne séance. Et c'est ce qu'on va faire. Traction pour échauffer. 3 séries. 8-10 reps. On va essayer de garder un bon contrôle. Et faire ça bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Sur ma chaîne secondaire, je mets en place une playlist spéciale pour ceux qui veulent rentrer dans des corps armés, pour ceux qui veulent se préparer physiquement pour rentrer police, gendarmerie, armée, tout ça là, tous ces métiers-là. Et je vais faire un entraînement spécial traction. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les tractions et pour ceux qui souhaitent s'améliorer en traction, on va faire ça bien. Allez, fais ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok, parfait. Là, je me sens déjà congestionné. C'est incroyable. Peu importe ce que je fais, les bras. C'est vraiment ça qui va venir en premier schéma en termes de congestion, c'est incroyable. Là, on va lancer des élévations latérales, double contraction. J'ai pris les 5 kg, pas très lourd. On va envoyer 15 reps. J'aime bien avoir les épaules bien échauffées, bien chaudes avant de m'entraîner, c'est important. Allez. 1, 2, une demi-rep, une rep complète. 3, allez. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Mes élévations latérales, j'aime bien garder un petit flex au niveau des coudes. Je tends pas les bras au max. J'ai fait un réel où on m'a dit oui, il faut pas tendre les bras. Moi, le problème, c'est quand je tends les bras au maximum et je fais le mouvement, je suis pas à l'aise du tout. Pas naturel, je sens pas mes épaules. Alors que quand je garde un petit flex, je fais le mouvement, je sens bien mes épaules, je suis content. La congestion, elle vient et c'est ce que je veux, c'est important. Là, j'ai pris les 9 kg, on va envoyer 15 reps élévation latérale pour être bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parfait. Oh. On est bien, on est bien, on va attaquer. Premier mouvement, rowing sur banc couché. On va prendre des haltères, j'ai pris 15 kilos là pour commencer. On va commencer en neutre et monter en pronation, faire une petite rotation avec 2 secondes de contraction.
On va essayer de se faire entre 8 et 10 répétitions. Ça va faire mal. Pas habitué à ce mouvement. Mais on a la pensée faire mal. Allez. Commençons neutre. 1, 2. 1. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5. 1, 2. 6. 1, 2. 7. 1, 2. 8. 1, 2. 9. 1, 2. 10. Ok. Ça, on va le faire deux fois. Et après, on va mettre une charge un peu plus lourde et faire que du neutre pour se massacrer le dos. Je vais mettre des charges un peu. Le dos, c'est vraiment la partie où je peux avoir un gros potentiel, mais je stocke énormément de gras. C'est un point faible parce que en termes de sèche, je suis pas présent, tu vois. Mais je sais que quand je perds un peu de poids, quand il commence à se tracer, c'est incroyable. J'ai vraiment un vrai dos, j'ai vraiment un dos puissant. Et je suis content de mon dos quand il est tracé de fou. Mais voilà, il faut vraiment faire un effort au niveau de la diète si je veux vraiment avoir un dos solide de fou. Pour moi, le dos, c'est un peu comme les abdos, hein. La couche de gras dessus est problématique, mais on va l'enlever. On va faire les choses bien parce que c'est important. Là, je vais garder les 15 pour la deuxième. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, let's go. Allez. Allez. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, ok, 8. Je peux en envoyer un 2 encore. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Là, j'ai un peu focus sur l'arrière épaule dans le mouvement. Le fait de tourner et d'être droit, l'arrière épaule il prend un peu. Mais ce qui est bien, c'est que l'arrière de mes épaules il est bien développé. Hein. Je l'ai beaucoup bossé ces derniers temps. Et c'est bien, c'est bien. C'est lourd. Faut qu'on continue comme ça. Là, ici, je pense pas que je vais prendre super lourd, tu vois. Comme je dis, ça fait longtemps que j'ai pas mis lourd dans mes séances. Ça monte jusqu'à 45 kg. Les 35 kg, ils sont gros, hein. Ils sont gros, les poids de 35. On va essayer à 35 kg. On va essayer. Là, ce qu'on va faire, c'est ce qui manque à tous les débutants qui s'entraînent. Tous les débutants, mettre de l'intensité. Faire des mouvements de barbare. Parce que la muscu de base, c'est un sport de barbare. Hein. Un sport où on s'arrache, où on met lourd, on fait les choses bien. Donc là, 35 kg, rowing, tranquillement, sans tempo, sans rien. On va envoyer 8 à 10 répétitions, comme ça. Allez. Oh, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9. 10. Oh. 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 Prenez 40. On va se faire mal aujourd'hui. On prenait 40. Ça m'a fait mal, hein. On va prendre 40. Prenez au-dessus. Ça va me faire mal. Je le sens. Et on va faire les choses bien. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Wow. Je faisais ça avec les 50 kilos il y a quelques mois. C'est incroyable. Non, c'est pas les mêmes poids. Enfin, c'est pas la même taille de poids. Je suis pas habitué avec cela, mais c'est super lourd. Ça fait du bien aussi. Tirage vertical. Hop, prise large. On va se faire 10 reps. Et après, on va se prendre en supination et 10 reps directement. Allez. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, très bien. Par contre, là, j'ai pas mis les lunettes parce que si j'ai la barre dans les lunettes, elle se casse. Je pleurais en vidéo et j'ai pas envie. Allez, on y va, c'est parti. Là, j'ai pas mis lourd, hein. J'ai mis 50, 60 kilos, je crois. Ouais, c'est pas très lourd. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok, suppi, oh. On y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Oh. Là, je suis carrément aux couleurs de la salle, hein, noir et blanc, le logo de la salle est derrière. On a Time Training à Lyon, Villeurbanne. Pour ceux qui veulent venir prendre des créneaux, s'entraîner ou faire des vidéos, ou s'entraîner avec moi, faire des vidéos avec moi, je peux ramener du monde, faire des feats, je peux tout faire ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8, 9, 10. Oh, ok. Oh. Suppi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ok. Oh. 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 Franchement, incroyable. Je sais pas si on va faire plus d'exercices d'eau. On en fait que deux. Mais là, j'ai bien envie d'attaquer épaule et bras. Là. Parce que là, il me reste une heure. Et si je peux caler épaule, bras et un tout petit peu de cross training. Un tout petit peu d'assaut bike, un peu de battle rope, parce que ici il y a une corde battle rope, ouais il y en a une. Si je peux intégrer ça, ça va être intéressant, ça va être bien. On va se faire mal, c'est important. Développé militaire, sur banc, j'ai pris les 20 kilos. On va essayer de se faire ce développé militaire en prise neutre cette fois-ci. Ça va faire mal, mais on va faire les choses bien. C'est parti. Une. Deux, on va direct. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime beaucoup l'association de la prise neutre. J'aime beaucoup, beaucoup. On va monter, on va essayer de prendre 30 kilos. Même si 20 kilos, ça fait mal, mais 30 kilos, on va voir. Allez. Oh. Ça bien. Aucune douleur à l'épaule, c'est incroyable. Je vais faire que ce mouvement, c'est bon. Quand je fais du développé militaire aux haltères, de base, j'ai super mal aux épaules. Que je sois parallèle, que je sois légèrement rentré, j'ai super mal aux épaules. Là, j'ai pas mal, ça me fait du bien. Je mets l'intensité, j'ai mal dans le mouvement, enfin, j'ai mal dans l'effort, comme quand tu fais n'importe quel mouvement lourd. Mais ça me fait du bien, j'ai des bonnes sensations, c'est incroyable. Je vais continuer à bosser en neutre, c'est intéressant. Par contre, ça me donne vraiment envie de mettre beaucoup plus lourd. Je vais rester à 30, je vais être intelligent. Et les prochaines séances, on va augmenter.
Je veux pas augmenter trop vite. Je vais pas essayer de me faire mal trop vite. Parce que la muscu, c'est ça. Faut appréhender la charge. Faut pas aller trop vite sans tu vas te blesser, c'est pas bon. L'idée, c'est de faire les choses bien. C'est d'avancer intelligemment. Et se faire mal dans de bonnes conditions, ok? Pas se faire mal trop vite. Parce que le problème, c'est que si je commence à prendre les 40, je fais un mauvais mouvement et tout, je peux me blesser, c'est pas bon. Or que là, on a fait les 30, on a appréhendé les 30. Et la prochaine fois qu'on viendra ici, on sera prêt. Notre corps, il va connaître le mouvement, il va connaître la charge, il va appréhender tout ce qui va suivre. Et on va s'arracher comme il faut. Ouais! Ouais, j'ai encore envie d'en faire une. Encore envie. Je l'ai passé au bras, mais j'ai encore envie. Ainsi que le temps il passe, j'ai encore envie. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Comment? Six, un, sept. Comment? 9, last one, last. 10. Oh, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Franchement, teste ça dans tes séances, teste. C'est incroyable. Je t'explique, il est 13h20. Là, il me reste 40 minutes. J'ai envie de dire 30 minutes parce que 10 minutes pour me préparer et sortir. Là, j'ai pris les haltères de 15 kilos. On va se faire du curl biceps en prise neutre, une seconde de contraction, 10 répétitions. On va poser les haltères, on va souffler quelques secondes et on va passer en curl biceps full supination. On va essayer d'avoir une seconde de contraction de pic, une seconde de contraction vers le pic, comme ça, et faire 10 répétitions. Ça va faire mal. Et je verrai si je fais soit une série, soit deux séries. Et après, je prends l'assaut bike et je m'arrache. Je m'arrache. Je vais faire quelques tours à Sobike, histoire de faire les choses bien. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire la battle rope. Mais si je peux faire à Sobike abdo, c'est parfait. Les biceps, on va juste s'éconditionner tranquillement. C'est pas le plus important dans la séance. Mais faut qu'on les fasse, c'est notre point fort. C'est parti. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 1, 2, 7, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 10. Oh. Oh, ça fait mal. C'est vraiment mal. C'est incroyable. Ah. Oh. Mes biceps, tu vois. Je peux enchaîner. J'ai de l'endurance musculaire. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est la douleur de la congestion, tu vois. Il me fait mal. Il faut qu'elle redescende un peu avant que je repars. Là, je sais que je peux repartir, mais enchaîner 10 répétitions avec un pic. Reste pause là. Ça va faire mal. Surtout quand tu bosses en full supination. Quand tu passes en full supination, c'est une dinguerie. Ouais. Allez, fais ça bien. Et on reste en supi. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Allez. Une, deux, six. Ouais. Une, deux, sept. Oh. Une, 2, 8, allez, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok, très bien. Normalement, ce que j'aurais dû faire à partir de la 5e, 6e, c'est pas trop lâcher la charge, c'est essayer de contrôler la descente, tu vois. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais ce qu'on a fait, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Au moins, on a un petit exo biceps de congestion. Des exercices. On va prendre l'assaut bike tranquillement et on va s'arracher. À chaque fois que je sors l'assaut bike, je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. Mais bon, on va faire les choses bien. On va envoyer. Je vais mettre une musique sans parole qui envoie, qui va m'accompagner.
On va faire quelques tours. Il n'y aura pas de temps là. C'est juste des grosses accélérations et du temps de repos. Ok? On va faire ça bien. Essayer de faire 2-3 tours. Enfin, non, 2 tours, non. 3 ou 4 tours. Et puis voilà, comme ça on aura un côté explosif dans notre séance. On connaît ça. On connaît. On connaît ça. On connaît. Hé hey. Hé hey. Comment hey. 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 Ça fait vraiment mal, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça que je veux, c'est ça. En plus là, c'est pas comme la séance précédente, y a pas d'envie de vomir, y a rien du tout. On a mangé juste avant, mais on n'a pas envie de vomir, donc on peut envoyer encore. Fais ça bien. Je vais juste mettre les... Ok, parfait. Hey, hey, come on. Hey, let's go. Let's go. Let's go. Allez, allez. J'avoue, j'aurais aimé de la clairouette là. Pour après la séance. J'aurais aimé la clairouet. Je vais peut-être prendre un shaker de iPro ou un truc comme ça en sortant là. Ah, parce que là il me faut une ouais là, c'est trop. Ah. Oh, mais c'est bien. La majorité des messages que je reçois en musculation, des personnes qui n'arrivent pas à progresser, c'est que vous voulez pas vous faire mal. Vous voulez pas vous faire mal. Vous voulez pas monter les charges, vous voulez pas mettre de l'intensité. C'est pour ça. Tu sais, tôt ou tard. Si tu veux progresser, si tu veux changer, va falloir te faire mal. La musculation, c'est pas agréable. La musculation, c'est pas t'es là, tu rigoles. Au bout d'un moment donné, faudra te faire mal si tu veux progresser. C'est important. C'est vraiment important. Le téléphone, je vais le jeter parce que sinon, il va s'envoler. Mais faut se faire mal, les gars. Faut se faire mal, on n'a pas le choix. Comment ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gars. Tu veux progresser, on n'a pas le choix. Faut se faire mal. C'est important. C'est comme ça que tu vas progresser, devenir meilleur et être fier de toi. Oh. On est bien. On pourra pas faire du battle rope aujourd'hui malheureusement, mais on va pas skip nos abdos. Abdos avec deux poids au niveau des pieds, parce que j'ai pas le gainage nécessaire pour le faire sans poids. Et on va prendre des haltères. J'ai pris 7 kilos je pense. Ouais, 7 kilos de chaque main. Et on va faire du crunch. Lesté. Oh. C'est important. Allez. J-Rep, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bosser avec des poids, c'est bien pour faire grossir ses abdos. Les abdos, c'est un muscle. Comme tous les autres muscles qu'on a dans le corps, tu vois. Faut mettre des charges si tu veux les faire grossir. Avant de vouloir brûler du gras pour les voir, ok? Pour que tes abdos soient visibles, il faut les bosser en volume. C'est important. Vraiment. Oh. Allez. On va recommencer. J-Rep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9, 10. J'aime pas les crunchs.
déteste ça. Mais faut le faire. Faut le faire, c'est important. Faut le faire, c'est important. Oh. Là, on va faire un exo de fou. On va faire des sit-ups améliorés, ok? J'ai gardé les haltères. Oh, bras tendus, comme ça, au sol. Tu vois? Là, ça va être bras tendus au sol. Et quand je vais monter, je vais amener vers le haut. J'ai même pas testé. J'ai pensé à ça, je me suis dit, ça peut être bien. Je l'ai fait sans poids. Ça m'a fait mal. Mais avec 7 ennemis par bras, ça va me tuer. On va essayer d'en faire au moins 8. Oh. Oh, ça va être chaud. Pourquoi je parle? Allez, on y va. Toutes les personnes qui me suivent pour des préparations, sport de combat, vous allez le faire. Ah, je vous mets ça dans votre programme, c'est bon, c'est fini. Toutes les prépas physiques de fou là, je vais vous mettre ça. C'est bon, j'ai mal, faut que vous souffrez comme moi, c'est important. Séance terminée, si t'es encore avec moi, merci beaucoup de l'avoir regardé. On a fait les choses bien, on a envoyé, j'aurais pu envoyer un peu plus, mais bon, j'ai une limite de temps ici. Parce que j'ai des créneaux, je ne peux pas être là tout le temps. Après, quelqu'un d'autre va prendre le relais ici. En tout cas, j'ai fait les choses bien. Si tu veux plus de contenu comme ça, dis-le-moi dans les commentaires, c'est important. Mets un j'aime, commente, partage. Faut que fasse grossir cette chaîne. Sur la chaîne YouTube secondaire Adam Jordan Training, une vidéo par jour pendant les vacances, ok? Juillet, peut-être le mois d'août, on verra. On va faire les choses bien, parce que c'est important. En tout cas, moi je vais te laisser ici, je vais me préparer et sortir. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.